Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Il y a quelques semaines, nous recevions sur ce plateau le colonel Simon-Pierre Moussounda, coordinateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Au cours de cette émission, Simon-Pierre Moussounda rejetait la concertation politique convoquée à Madingou. Concertation qu'il qualifiait d'ailleurs d'une rencontre entre amis du régime pour préparer un nouveau coup de force pour 2021. À cette même occasion, le coordonnateur du CRC en appelait au peuple congolais de prendre ses responsabilités, se débarrasser de ce régime qui a installé un système obscurantiste depuis des décennies. En réaction à cette émission, Brazzaville a fait entendre sa voix par l'hebdomadaire Le Patriote, accusant bien entendu le colonel Simon-Pierre Moussounda de préparer un coup d'État contre un pouvoir entre guillemets légalement établi au Congo Brazzaville, par conséquent troublé la paix chèrement acquise. Pour ce faire, aujourd'hui nous recevons Georges Goma, qui est aussi membre du CRC, qui vient réagir contre ces allégations. Je rappelle que Georges Goma est aussi professeur à l'Université du Québec. Bonjour, Georges. Bonjour, monsieur Christian Perrard. Comment se porte le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo? Ben écoutez, le CRC se comporte très bien, plus que jamais. Et malgré ces accusations, on est toujours serein, c'est ça? Ben, les accusations, déjà, de toutes les façons, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas, c'est une péripétie. C'est une péripétie dans ce long processus que nous et le CRC et certaines autres personnes observons en regardant la vie politique au Congo-Brazzaville depuis 1997. Donc, vous savez très bien que Le Patriote, c'est un hebdomadaire de la place de Brazzaville. Mais vous allez vous imaginer aussi, pas vous imaginer, mais savoir que quand le régime de M. Denis Sassou Nguesso se réinstalle au pouvoir à Brazzaville après la guerre civile qu'ils ont provoquée, eh bien, tous les organes de presse qui s'étaient libérés après 1989, 1991, 1992, pour ce qui concerne l'histoire de notre pays, eh bien, ces organes de presse qui pensaient avoir accédé à une presse libérale, une presse libre, ont disparu, ont été démantelés les uns après les autres, je pense. Ok, on va donc y revenir. Mais alors, dites-moi, puisque l'hebdomadaire dans sa parution, je disais tout à l'heure, numéro 599 du 2 novembre, accuse le coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo de préparer un coup d'État. Comment avez-vous perçu la nouvelle? Ben écoutez, la nouvelle, nous l'avons perçue comme un peu, nous l'avons reçue d'abord comme tout le monde. Maintenant, dans la perception, comme je le disais tantôt, vous savez, les gens qui sont bousculés par rapport à ce genre d'événement, c'est ceux qui se reprochent de quelque chose, non? Mais quand vous ne vous reprochez absolument de rien, monsieur Christian Perret, je vous assure que vous êtes tranquille. En dehors de la nouvelle rapportée par l'hebdomadaire Le Patriote, avez-vous reçu une notification par la justice congolaise ou par une quelconque autorité? Non, on n'a pas reçu une notification. Hein, ça montre à suffisance aussi les méthodes de travail de cette presse-là. Qui, eh bien, je veux dire quand même cette chose-là avant qu'on aille un peu plus de l'avant. Ben, Le Patriote, c'est un beau nom, ça. Hein, c'est un très très beau nom pour un hebdomadaire. On en trouve aussi dans d'autres pays, beaucoup d'autres pays, Le Patriote. Mais je pense quand même que quand on prend un nom comme Le Patriote, il y a du sens à cela.
on ne prend pas un nom n'importe comment, parce que si je vois très bien le patriote, c'est dans la ligne droite d'un autre organisme d'État qu'on appelait, ou qu'on appelle plutôt les dépêches de Brazzaville. C'est le même groupe là, le patriote, de la même façon que les dépêches de Brazzaville, sont une presse de propagande. Ça, il faut le dire d'emblée, parce que c'est ça la réalité. C'est une presse au service d'un régime. Et qui plus est, le régime que nous combattons, parce que c'est un régime dictatorial. Il y a des éléments suffisants là-dessus pour le montrer. Et pour le montrer, je vais simplement citer de mémoire. Je me rappelle qu'il y avait, la rumeur à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait aussi l'Observateur à l'époque. Je me rappelle aussi qu'il y avait Thalassa à l'époque. Je me rappelle aussi qu'il y avait La République, quelque chose comme ça, à l'époque. Mais tous ces organes de presse ont disparu. Et quand on regarde un peu de très près, pour les observateurs attentifs de la vie politique au Congo-Brazzaville, on verra que le régime en place a démantelé pièce par pièce ces organes de presse qui jouissaient d'une certaine liberté. Parce que comment voulez-vous vous réclamer de la démocratie au Congo-Brazzaville? C'est ça qu'on entend, que c'est un régime démocratique, alors qu'il ne l'est pas au fond. C'est-à-dire, c'est un régime qui fonctionne sur les oripeaux de la démocratie, une démocratie de façade. Ça, c'est très, très important à savoir et à souligner avant que nous continuions sur cette entrevue, M. Perrin. Donc, voilà. Mais Georges, dans tous les cas, est-ce que vous vous êtes rapproché de cet hebdomadaire pour en savoir un peu plus ou faire un droit de réponse? Mais comme je l'ai dit aussi tantôt, c'est pas pour nous rapprocher d'eux, ce n'est pas une préoccupation essentielle. Je l'ai dit tantôt aussi, on s'est dit, on laisse passer, mais après coup, on s'est dit, tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour le Congo-Brazzaville. On va revenir un peu sur la visée du CRC un peu plus tard, mais c'est pour le Congo-Brazzaville, donc nous avons des équipes. Vous avez compris que nous sommes une structure très, très, très organisée avec beaucoup de départements. On reviendra là-dessus quand il sera question de dire qu'est-ce que le CRC. Donc, nos équipes sont en train de travailler là tranquillement, doucement là-dessus, et nous ferons évidemment suite à cela. Le droit de réponse, ça rentre quand même dans la circularité de votre vocation de journaliste, non, monsieur Christian Perrin? Donc, nous le ferons. Nous le ferons tranquillement. Et nos équipes sont... Oui, mais selon toi, Georges Goma, oui. Que vous reproche-t-on exactement? Ce qu'on nous reproche... Ou pourquoi cet acharnement, quoi? Pourquoi cet acharnement contre le CRC? Ce qu'on nous reproche, déjà, c'est... Déjà, là, le mot même de coup d'État, là, sincèrement, à un certain moment... Ça vous pousse à vouloir sourire. Mais quand on voit la complexité et la gravité de la situation du Congo, je vous assure que ça ne fait pas rigoler. Parce que le propos est franchement diffamant. Vous savez ce que ça veut dire, la diffamation. La diffamation, quand elle est démontrée, et nous aurons le temps de le démontrer, ça pourra aller loin sur le plan purement pénal. Bon, maintenant, quand on a dit ça, quand on connaît la nature du régime, jusqu'où on va aller? Le coup d'État, en plus, la rhétorique même du coup d'État, les Congolais comprendront très bien qu'il y a quand même une personne ou un groupe de personnes dont la rhétorique du coup d'État est une seconde nature. Mais les coups d'État au Congo-Brazzaville, une fois de plus, j'interpelle toutes les personnes qui ont de l'objectivité dans l'observation de la scène politique au Congo-Brazzaville, mais comprenant très bien que l'art du coup d'État est bien connu du régime qui est en place, qui, n'est-ce pas, taxe les autres de vouloir faire des coups d'État alors qu'ils n'ont pas des preuves palpables par rapport à ce qu'ils disent. C'est ça qui fait rigoler quelque part aussi.
Donc voilà, Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État qu'il maquille toujours la même manie de toutes les façons. Ils sont revenus au pouvoir par quels moyens? C'est par un coup d'État qu'ils ont maquillé en guerre civile. Pourquoi je le dis aussi? Il y a quand même des références là-dessus. Mais moi j'étais à Paris quand Monsieur Denis Sassou Nguesso préparait son retour au Congo-Brazzaville. Mais moi, j'étais à Paris, les gens nous écoutent aujourd'hui, je crois qu'au mois de février, quand il a fait sa fameuse réunion vers la place d'Italie, l'hôtel, je crois, Sofitel. Mais j'étais là quand il se targuait d'être un général d'armée. Mais attendez, il y a un système démocratique au Congo-Brazzaville, vous êtes à Paris, vous préparez votre rentrée au Congo-Brazzaville, et vous vous targuez des galants que vous avez, ce qui veut dire que quelque part... vous préparez quelque chose. Et ce n'est pas tout, monsieur Christian Perrin, toujours dans les références, les faits. Ça, c'était un fait, j'étais là. Mais un autre fait, c'est quoi, quand même? Mais moi, j'ai les archives du Le Canard enchaîné du 13 août 1997. Le Canard enchaîné du numéro 4007. Alors, le très curieux périple de 25 tonnes de fêtes bizarres entre Brazzaville, le Gabon, et le Congo-Brazzaville. Je ne vais pas lire tout. Le 4 juin dernier, au Bourget, un avion cargo emporte des t-shirts, du matériel de communication, des briquets, des stylos et autres gadgets. Alors, voilà les gadgets qui pèsent 25 000 tonnes. Des gadgets, hein? Je dis bien des gadgets. Qui pèsent 25 000 tonnes. Qui partent de l'aéroport du Bourget et qui arrivent à Franceville et qui prend la direction de Ouyo. Ah, quand même, soyons sérieux pour une personne qui vient participer aux élections. Mais il a été démontré quand même que les 25 000 tonnes, c'était de l'armement lourd. Alors, qu'on arrête un peu de se moquer des Congolais, bon sang. Qu'on arrête de se moquer des Congolais. Le 5 juin 1997, c'était un coup d'État. Et voilà des gens qui n'ont pas arrêté de faire des coups d'État tout le temps. Et si on repart en arrière, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, c'est important, monsieur Christian Perrin. On repart en arrière, on fait une radioscopie de ces coups d'État au Congo-Brazzaville et on trouvera avec la perfection la plus incroyable les architectes des coups d'État au Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso a tout l'argent pour faire ça. Mais nous n'avons pas d'argent au niveau du CRC. Nous avons une vision, on va revenir là-dessus. La vision que nous avons, on le dit clairement, on veut rompre avec la circularité du régime dictatorial aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Mais vous allez me poser des questions. Oui, Georges, on reviendra là-dessus. Mais dites-moi, puisque le Patriote rapporte également que dans la préparation de son coup d'État, le CRC chercherait à installer les bases arrières et les soutiens dans la sous-région. Bah, écoutez, de toutes les façons, l'idée est la même, hein, de toutes les façons. Eux, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont toujours fait comme ça. Hein, ils ont toujours travaillé les bases arrière, comme vous le dites. On voit très bien que Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas revenu au pouvoir par lui seul. Il était, il y avait des pays aux alentours qui l'ont soutenu. On a discuté avec les gens qui nous ont dit, mais oui, les gens autour ont été, n'est-ce pas, phagocytés ou quelque chose comme ça par Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est eux qui ont cette science là. C'est pas le CRC. Vous voyez, c'est eux qui ont cette science-là, pas le CRC. Donc, nous, mais par contre, je peux dire une chose, c'est que dans notre travail au CRC, sur le plan purement d'une, je ne peux pas dire diplomatique, mais je dirais quand même d'une diplomatie citoyenne, parce que nous ne sommes pas dans le pouvoir. Mais vous savez très bien que le Congo-Brazzaville aussi, la réalité de l'exil politique, c'est massifié depuis que Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Congo. Il y a beaucoup de gens qui ont été renvoyés sur les chemins de l'exil et qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dispersés partout dans le monde par la faute d'un monsieur, d'une personne, imbu de pouvoir, assoiffé de pouvoir, qui s'est installé pour créer cette réalité de la diaspora élargie. Et donc, nous rencontrons du monde avec le statut qu'on nous accorde en tant que citoyen de rencontrer des personnes dans tous les pays pour dire un peu quelle est la nature du régime au Congo-Brazzaville. Ça, on ne peut pas s'en cacher.
Mais on ne peut pas démontrer que nous avons, il y a une entreprise qui a reçu une commande du CRC pour acheter des armes et venir faire la guerre au Congo-Brazzaville et aller rencontrer des gens limitrophes et leur demander une éventuelle entrée vers Brazzaville. Ça, ils ne pourront jamais le démontrer parce que ça ne rentre pas dans les valeurs que nous défendons au niveau du CRC. Georges, si on vous accuse de préparer un coup d'État, n'est-ce pas parce que vous n'êtes ni pour les élections 2021, ni pour la concertation, sinon, quelle est donc la solution que vous vous proposez pour une sortie de crise ? Ben oui, ben ça c'est une très 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 bonne question déjà. Ben pourquoi ? Je reviens encore sur pourquoi on nous accuse ? Ben, on nous accuse certainement parce que notre démarche est rivée sur des valeurs de la démocratie et que notre intransigeance et notre radicalité, on peut l'accepter parce que nous n'avons toujours pas été des radicaux. Notre radicalité est arrivée parce que on a en face un système qui n'en fait qu'à sa tête. On voit très 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 bien que beaucoup d'occasions ont été données à ce système de convoquer les meilleures concertations pour que les Congolais puissent s'asseoir tous ensemble et réfléchir tous ensemble pour la construction d'une nation apaisée. Mais les gens qui sont au pouvoir savent très bien que cette démarche les a toujours déstabilisés parce que ils n'ont pas d'arguments s'il faut s'asseoir et dire des choses de la manière la plus objective possible. Donc ça, on nous en veut parce que, évidemment, nous ne nous sommes jamais laissés corrompre. Et dans la démarche du régime de Brazzaville, on sait très bien qu'à une époque, après donc, le renversement de la démocratie, il y a beaucoup de gens qui sont allés en exil. Et M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il connaît l'art de faire des choses, il en a repêché les uns après les autres qui sont rentrés au Congo-Brazzaville. Certains se sont revendiqués être de l'opposition. Mais au fond, c'est pas une opposition parce que M. Denis Sassou Nguesso avait tout prévu, évidemment, pour créer une opposition de façade. Et pour ceux qui ne rentrent pas aussi dans le cadre de cette opposition de façade, qui continuent à clamer, on voit des personnes comme M. Makaya, par exemple, qui a fait la prison, bien évidemment, M. Mokoko, pour ne citer que ces deux-là, mais on sait très bien ce qui leur est arrivé. Donc le régime en place sait très bien comment ils instrumentalisent une frange de l'opposition qui s'en accommode également, parce que nous avons quand même des retours que ces personnes qui se disent dans l'opposition, eh ben ils émargent au trésor public pour le compte du régime en place. Voilà. Donc nous au CRC, la démarche est tout à fait différente. Ça c'est pas, ça rentre pas dans les valeurs que nous défendons. Et je pense que évidemment quand on voit des personnes qui sont droit dans leurs bottes, eh ben ça pose un problème pour le régime. Et puis ben chaque fois Monsieur Denis Sassou Nguesso et son équipe, quand il y a une personne qui émerge, une personne grave et sérieuse qui émerge, qui a du potentiel, eh ben c'est la personne à abattre. C'est la personne à abattre. Vous vous rappelez très bien que dans la démarche de ce régime, au départ, on a tapé sur Pascal Issouba, tapé sur Pascal Issouba. Et quand on voit que Pascal Issouba, on tape sur Bernard Colella, on tape sur Bernard Colella, on fait un travail sur Bernard Colella. Et puis quand on voit que la chose est faite, ben on passe à une autre personne. Paul Makaya, on sait très bien ce qu'il a vécu. Et tout dernièrement, M. Mokoko, on sait très bien ce qu'il continue à vivre aujourd'hui. Donc une personne comme Monsieur Simon-Pierre Moussounda, avec la rigueur et la gravité et la connaissance, n'est-ce pas, de l'espace politique au Congo-Brazzaville et sa droiture par rapport aux idéaux démocratiques, qui se laisse pas faire. Nous qui avons la chance de travailler avec Simon-Pierre Moussounda, on est toujours émerveillé de voir comment une personne peut avoir une telle rigueur. Mais la rigueur, c'est une rigueur et les valeurs qu'il pose sur la démocratie et le bien-être des Congolais, nous le vivons parce que nous travaillons avec lui. Donc, une personne comme ça est tout à fait naturellement l'objet, une cible pour le régime en place au Congo-Brazzaville. Ils font ce qu'ils font. L'hebdomadaire qui vous accuse de coup d'État rappelle également que la constitution congolaise, je cite hein, ce qu'ils ont écrit, condamne les coups d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes,
comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. Mais puisque vous n'êtes pas pour les élections de 2021, vous n'êtes ni pour la concertation en réalité, ni pour le dialogue avec ce système, est-ce qu'on peut comprendre ce que veut exactement le CRC? Écoutez, déjà, quand vous parlez de la Constitution, un peu, ce régime-là qui vient comme ça, donner une leçon de morale, parler de la Constitution et dire ce que... J'ai pas bien entendu, mais j'ai compris le sens de là où ils mettent l'accent. Mais la Constitution, parlons-en un peu, la Constitution. Voilà les points qui sont essentiels pour que les gens comprennent très bien la nature du régime qui est en face d'eux. La nature du système qui les entraîne, qui les draine vers, en fait, un naufrage, finalement, depuis 23 ans. N'oublions pas, quand même, une chose, que depuis 23 ans maintenant, M. Denis Sassou Nguesso est presque seul, physiquement sur la scène politique, institutionnellement, sur tous les plans. C'est le maître absolu. Il n'a jamais été bousculé en tant que tel. Et M. Denis Sassou Nguesso a toujours eu la chance d'engranger beaucoup, beaucoup d'argent chaque fois qu'il a une législature. Mais comment se fait-il que depuis 23 ans, c'est une réalité que la situation du Congo est exécrable jusqu'aujourd'hui. On ne sait plus quoi faire. Mais vous êtes seul depuis 23 ans maintenant. On vous a laissé l'espace libre pour sortir le Congo vers le développement. La rhétorique qu'ils utilisent, vous le savez très bien, les Congolais le savent très 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 bien, année après année, message de fin d'année après message de fin d'année. C'est le Congo qu'on veut sortir, mais le Congo en question à quoi? 4 millions d'habitants? 5 millions d'habitants seulement? Mais le Congo en question c'est quoi? C'est les 65 000 fonctionnaires, entre guillemets, que le régime du Congo-Brazzaville ne peut pas s'en occuper au point où, pour payer les salaires, ça devient tout un problème pour 65 000 fonctionnaires seulement. Mais 65 000 fonctionnaires à côté de 5 millions, de 4 millions de Congolais. Donc on voit très bien qu'aucun Congolais finalement ne bénéficie de la richesse extraordinaire qu'a le Congo-Brazzaville, aujourd'hui un pays pétrolier, le troisième même producteur de pétrole en Afrique, au sud du Sahara. Ça, c'est quand même des choses, parce que avant d'avoir le toupet, n'est-ce pas, d'écrire ce que nous avons lu là, et penser que ce sont les autres qui sont fautifs, qui sont responsables, mais quand même, l'élégance serait pour ce système-là de s'interroger sur ce qu'est leur action politique. Depuis 23 ans, ils sont seuls, ils ont engrangé, ils ont les meilleures relations avec tous les partenaires économiques, avec les partenaires politiques, ils ont tout. Maintenant, parlons-en de la Constitution, c'est très important ça. Monsieur Denis Sassou Nguesso, on a brisé combien depuis qu'il est au pouvoir, depuis bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir? Les actes fondamentaux, et ceci ou cela. Et chaque fois qu'il arrive dans une situation, quand c'est quelque chose qui veut l'avantager et tout cela, il bricole, il fabrique des constitutions. Des constitutions à sa mesure. Et quand ça ne marche plus, cette constitution qu'il s'est lui-même donnée quand même, il brise, il trouve maintenant que ça ne va pas. Faire évoluer les institutions, c'est ce que aimait à raconter tout le temps leur ministre de la communication en la personne Monsieur Mungala. C'était quand même quelque chose de très important à porter, non? On va faire évoluer les institutions. 2015, on avait tant besoin de briser une constitution qu'on s'est donnée en 2002, taillée sur mesure. Tout simplement, au prétexte que voilà, il y avait deux articles intangibles là-dessus. L'âge pour se présenter et puis le nombre de mandats. Non, à un certain moment, il faut être sérieux là. Il faut être sérieux. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on voit tout ça, la force que nous avons à réagir par rapport à cela, s'il faut voir même les tribunaux internationaux, mais on va le faire. Parce que là, c'est une insulte. Vous êtes au pouvoir, vous avez toutes les manettes. Et vous nous demandez, dites encore que nous sommes des fautifs par rapport à ça. Donc la Constitution, ma foi, ça devient une constitution Kleenex chaque fois qu'il faudra changer la constitution. Et pourtant, la constitution dans tous les pays, c'est quand même la pièce maîtresse, ça. C'est quand même l'acte essentiel pour tous les pays. On connaît bien la constitution américaine, la constitution française et les constitutions des autres pays. Mais si une constitution devient juste un papier de toilette qu'on jette chaque fois qu'on l'utilise, attendez, les Congolais doivent quand même s'arranger pour comprendre que cela ne peut pas continuer.
ce que nous alors, disons. Quelle action entendez-vous mener contre ces allégations? Un procès contre l'État congolais ou contre le patriote? Alors, nous ne sommes pas brigands dans notre démarche. Hein? Je pense que toutes les personnes qui se sont rapprochées du CRC, chaque fois que vous arrivez au CRC, en tout cas, on vous met sur la table la charte du CRC. C'est clair et net. Et cette charte-là est rendue publique. Nous avons des valeurs sur lesquelles on ne transige pas là-dessus. Donc pour cette démarche-là, nous allons poursuivre la démarche normale. C'est-à-dire que nous allons nous prévaloir d'un droit de réponse là-dessus. Je vous ai dit tantôt que nous avons des équipes en train de travailler là-dessus. Et que ce droit de réponse, on va l'envoyer à qui de droit? Et puis, on va voir dans un premier temps comment est-ce que ces gens-là vont se comporter par rapport à cela. Puisqu'ils sont des démocrates, allons-y au bout de la démocratie. Nous sommes tranquilles par rapport à cette histoire-là. Mais est-ce que je vais entendre dans votre question que je vous parle un peu de l'organisation, c'est du CRC, comment est-ce que nous travaillons? Puisque là, évidemment, il faut qu'on en parle, puisque ce n'est pas un parti politique, ni une association, ni une ONG. Ouais. C'est quoi exactement? Comment est structuré le CRC au niveau national et au niveau international? Ben écoutez, déjà, le CRC, c'est une plateforme. C'est une plateforme, ce n'est pas un parti politique. Si c'était un parti politique, nous nous serons prévalus d'aller à Brazzaville et de faire enregistrer le parti politique à Brazzaville. Et que après la radioscopie que nous faisons de la situation du Congo-Brazzaville, cela ne sert absolument à rien, puisque c'est le système politique d'une manière intégrale que nous voulons éradiquer, par les moyens, évidemment, qui seront à notre disposition. On va détailler là-dessus. Alors, comment allez-vous rentrer dans un système politique dont vous savez très bien que, de façon intégrale, il est complètement toxique et que, pour que le Congo puisse renaître, il faut nécessairement une autre organisation sociopolitique. Ça, c'est quand même des bases là-dessus. Donc, nous, on ne peut pas créer un parti politique. Maintenant, là où on nous donne un espace de liberté, en exil, là où nous sommes, nous avons des droits. Et le droit international existe également. Le droit de nous réunir, selon la loi 1901, juillet 1901, comme tout le monde le sait. Nous nous sommes réunis sur cette base. Nous avons des références légales par rapport au CRC. Et nous fonctionnons au su et au vu de tout le monde. Vous voyez très bien que M. Simon-Pierre Moussounda, qui n'est pas le leader du CRC, mais qui est le coordonnateur du CRC. Il y a nuance par rapport à ça, parce que nous ne faisons pas de la politique. Donc, monsieur, notre coordonnateur a fait une sortie que tout le monde a bien vue la dernière fois pour faire avancer un aspect, la connaissance, n'est-ce pas, du CRC, et ça va aller sans discontinuer, quoique à l'étranger. Mais là, je vais dire aussi que c'est nous qui sommes à l'étranger. C'est nous qui prenons la parole à l'étranger de par cet espace de liberté qu'on nous accorde légalement. Mais la majorité des membres du CRC sont au Congo-Brazzaville. Quand nous le disons, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, ils le savent. Ils le savent très très bien. Mais dans notre démarche, nous savons aussi que le régime du Congo-Brazzaville, c'est un régime brutal. C'est un régime cruel. C'est un régime qui n'hésite pas de faire verser le sang. Il est déjà badigeonné de cette bouillante, comme je le dis souvent. Quand je le dis, c'est pas de l'insulte. C'est la gravité de mon propos par rapport à la situation réelle que vit le peuple congolais aujourd'hui. Donc les gens qui sont au Congo-Brazzaville, qui travaillent avec nous, nous sommes soucieux de leur sécurité. Parce que le régime qui est en face d'eux n'hésite pas de tuer, de violer, d'emprisonner, d'intimider avec des armes de guerre telles qu'ils savent l'utiliser. C'est visible, ça aussi c'est de fait, monsieur Christian Perrin. Monsieur le président se déplace, vous voyez les bêtères qui l'accompagnent, et tout cela, on connaît tout ce spectacle-là. Donc il y a beaucoup de gens qui sont au Congo-Brazzaville, qui travaillent avec nous et qui nous donnent des informations. Comment est-ce que nous allons les faire pour savoir concrètement ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Parce qu'ils sont là, ils nous transmettent des informations, nous travaillons ensemble avec eux. Que ça soit dans toutes les catégories sociales du Congo-Brazzaville. Oui, Georges, vous parlez d'un régime brutal, totalitaire, et ce même régime, par le patriote, on dit, je vais citer, s'il y a un conseil à prodiguer au colonel Simon-Pierre Moussounda, qui est le coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, c'est de lui demander de créer son parti politique et de rentrer au pays, participer librement à la vie politique. Il ne risquera ni pour sa vie, ni pour ses opinions,
conclut l'hebdomadaire. Monsieur Christian Perrin, franchement, vous pensez que en 23 ans d'exil et de résistance à la dictature qui venait de s'installer au Congo-Brazzaville, il a fallu attendre 23 ans pour que finalement nous nous couchions tranquillement sous la cadence, sous la mélodie enchantée du régime dictatorial de Brazzaville pour nous donner ce beau conseil. Ben merci pour le conseil déjà. Un conseil reste un conseil maintenant, à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Mais maintenant, puisqu'il demande de venir au Congo-Brazzaville pour créer tranquillement un parti sans crainte pour sa vie et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à M. Paulin Makaya, ma foi, qui est un citoyen anglais, la possibilité de sortir? Allez, il n'est plus en prison quand même, il a passé près de 3 ou 4 ans en prison. Il est sorti de prison maintenant. Pourquoi on ne lui donne pas la possibilité de venir se faire soigner dans des hôpitaux, au moins qui ont la possibilité de soigner les gens qui sont malades? Puisqu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas cette commodité. Et même quand ils sont malades, c'est un avion médicalisé qui est posté déjà à Oyo, à Olombo ou bien partout pour aller se faire soigner. Mais M. Paulin Makaya a bien besoin de se faire soigner après tout ce martyr qu'il a vécu. Mais M. Paulin Makaya a créé un parti politique au Congo. On n'a jamais vu M. Paulin Makaya être irrespectueux des institutions de la République. Mais pourquoi est-ce qu'il a mérité cela? On le demande au CRC de rentrer C'est pas manquer de respect à qui que ce soit, mais je pense que sur ce plan-là, le CRC n'a de leçons à recevoir de personne. Parce que le CRC est aligné dans une démarche qui est instruite depuis très 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 longtemps. Le CRC est attentif à l'évolution de la vie politique au Congo-Brazzaville. Le CRC sait très bien comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Donc le CRC ne rentrera pas dans ces conditions-là. Parce que, de toutes les façons, l'expérience a montré que ceux qui sont rentrés n'ont jamais fait la politique comme ils entendaient le faire. Donc pourquoi est-ce que, jusqu'à dire, rien de mal ne vous sera fait? Ah, mais quand vous dites ça déjà, quand vous êtes conscient de ça, c'est que dans votre logiciel de fonctionnement politique avec les ressources en termes de sécurité ou d'insécurité que vous avez, mais vous connaissez vos méthodes. Non, je pense pas que monsieur, mais de toutes les façons, monsieur Simon Pierre Moussounda, lui-même, tout naturellement, il ne prendrait pas comme ça, il ne rentrerait pas comme ça, parce qu'au Congo, nous avons vraiment besoin, et ça c'est un appel quand même qu'on lance à toutes les personnes qui nous supportent, et même au-delà des personnes qui nous soutiennent, à tous les départements du Congo-Brazzaville, je dis pas, vous avez entendu, hein, je dis tous les départements du Congo-Brazzaville. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas utilisé une certaine rhétorique de certaines villes, le Nord et le Sud, et parlons-en, le Nord, c'est à quel niveau là? Le Nord commence où au Congo-Brazzaville et le Sud commence où? Mais si le Nord, c'est par rapport à l'Équateur, non? Mais donc, quand on est à Makoa, je pense, là on est au Nord, là on est au Sud. Mais là, même à Brazzaville, il y a le Nord et le Sud. Donc voilà un peu cette rhétorique qui nous induit en erreur. Nous parlons en termes des 12 départements du Congo-Brazzaville. Ça c'est clair et net. Donc nous voulons évidemment que toutes les personnes qui comprennent cette logique-là. Et puis, je pense quand même qu'il y a des textes au niveau international, qui disent clairement que les populations doivent disposer quand ils se sentent un peu les notes sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, l'article 35 qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Ça, c'est-à-dire que la population, et là encore maintenant, on vient un peu à... Oui, qu'est-ce que vous faites au CRC? Mais nous, on ne prépare pas des coups d'État au CRC. Nous ne préparons pas des coups d'État au CRC. Nous allons dans une démarche qu'on pourrait appeler de pédagogie populaire. On peut le dire de cette manière-là, parce que on sait très bien que la majorité, la stricte majorité des Congolais, de tous les départements du Congo, ils savent très bien que ça ne marche pas. Ça marche pas. Et ils ont démontré à un moment ou à un autre, en fonction de l'opportunité qu'on nous donne l'histoire, ils ont démontré que nous sommes capables de sortir dans la rue en grand nombre et de nous manifester. Donc malgré que le régime en place se barricade
derrière un système de sécurité où tout l'argent du pays, plutôt que de payer les salaires des gens, eh ben, des 65 000 fonctionnaires qui cumulent des mois et des mois sans argent, mais cet argent-là, on le met dans des quantités incommensurables, dans l'achat des armes. Voilà, ce sont les armes qui permettent à ce régime de se pérenniser jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quand même des choses qu'il faut que nous ayons le temps de bien dire cela. Parce que, pourquoi je dis cela? J'ai comme l'impression aussi que, vous savez l'âge chronologique, les jeunes qui sont nés en 1997, ils ont quoi là? Ils ont 23 ans maintenant, ils ont la vingtaine maintenant, c'est des adultes maintenant. Et ces jeunes-là aussi, on les retrouve aussi autour du régime dans le système. Mais il y a un danger là-dedans, là. Il y a un danger là-dedans. Parce que ces jeunes-là, mais ils connaissent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé quand ils sont nés, voyez? Donc il y a quand même des enjeux qui sont là qu'il faudra que les Congolais aujourd'hui puissent percevoir. Et qu'ils sachent d'ailleurs que leur vie ne se limite pas à eux seulement, mais leur vie se continue à partir de leur descendance, des enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Et que si nous ne faisons absolument rien face à un régime brutal qui dilapide à souhait les fonds publics, et là je pense qu'avec M. Miyabe vous en avez parlé, mais ça encore c'est un élément très 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 important que les Congolais doivent savoir, que leur misère c'est une construction sociale du régime de Brazzaville qui a pris clairement et résolument le pari et la décision de les garder dans une situation de paupérisation extrême en ne leur donnant pas le bien-être dont ils ont légitimement le droit. Ça, les gens doivent le comprendre parce que c'est ça la stratégie. Et que les gens doivent savoir dans tous les départements de la République du Congo qu'il est temps. Qu'il est temps d'arrêter avec ceci avant qu'il ne soit trop tard. Et même les gens qui sont dans le régime, qui sont dans le pouvoir, doivent comprendre aussi que c'est à leur avantage aussi une démarche comme celle-là. Parce que, à un certain moment, on le dit souvent, apprenez à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Mais c'est quand le pouvoir va vous quitter au moment où vous cherchez à le conserver par tous les moyens, mais c'est là où ça devient plus difficile. Donc ça quand même, c'est ces corrélations-là, il faut que les Congolais sachent le faire. Donc nous, au CRC, on est clair là-dessus. Nous avons une belle expression là, la révolution du fleuve. Mais ça, on l'a dit, hein, on le cache pas. Nous sommes là, nous suscitons, nous stimulons cette révolution du fleuve qui sera la résultante ou la conséquence d'une prise de conscience des Congolais par eux-mêmes, des Congolaises par elles-mêmes, qui se rendent compte que si nous ne faisons rien là, eh ben l'avenir de nos enfants particulièrement compromis. Et peut-être on va passer à autre chose. Et là, l'avenir, puisque nous parlons des générations futures. Et pour montrer un peu cette autre face de la brutalité, n'est-ce pas, du système qui est en place, où sont passés les 14 000 milliards? Où sont passés? On leur a posé ces questions-là par des journalistes. J'envoie encore cette vidéo de monsieur le premier de leur ministre et qui prend un verre d'eau là parce que évidemment il fallait faire passer un peu d'eau sur les lèvres parce que c'est une question très 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 embarrassante. Il a dit lui-même, c'est pas moi qui le dis. Monsieur Denis Sassou Nguesso lui-même aussi, pareil. Où sont passés les 14 000 milliards pour ces générations là? Mais si les gens ne pensent qu'il faut parler que c'est 14 000 milliards, les conséquences c'est quoi? C'est tout simplement que ils sont en train de, en fait, ils sont en train de détruire un pays avec, en l'endettant. Vous savez très bien que tout le monde sait très bien que le Congo, l'émission du FMI au Congo-Brazzaville, pendant près de 3 ans, n'ont pas réussi. Mais s'ils n'ont pas réussi, c'est quand même, il y a une réalité dérangeante là-dedans. Et que le Congo-Brazzaville, en ce moment, avec son régime, est en train d'endetter le pays d'une manière incroyable. Donc, on endette le pays. On dit qu'on construit, mais d'accord, on construit, mais qu'est-ce qu'on construit là? Non seulement ce qu'on construit, on continue à endetter. Monsieur Miarassa l'avait bien dit avec un exposé clair et net là-dessus. Monsieur Miarassa a donné des lumières là-dessus. Tout ce qu'on voit construire, ce sont des dettes qu'on met sur la tête de ces générations futures. Et tout ce qui se construit également, on voit la piètre qualité de ce qui est construit. C'est tous les jours qu'on voit ça au Congo-Brazzaville. Le pont suspendu où on montrait que voilà quelque chose. Mais ce pont suspendu, on sait ce qu'il en est advenu de ce pont. Il y a des ponts dans le Maniema qui ont été construits depuis 1934, qui se tiennent encore.
Il y a des routes qui s'effilochent facilement. Donc, vous voyez quand même que ça, c'est des choses réelles. Qu'on nous dit qu'on a fait des choses de piètre qualité et on a dilapidé les fonds publics. Et les jeunes générations qui vont hériter de ce pays-là. Mais franchement, hein, on voit un peu ce qu'on va laisser, les dettes qu'on va mettre merci, sur ce merci, Georges. Ah oui, sinon, non, mais il faut expliquer ces choses-là. Le temps, évidemment, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je crois que ça va servir aussi de votre mot de la fin. Il me reste qu'à vous dire un grand merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions sans ombrage. Merci aussi à nos chers téléspectateurs et à nos chers internautes de nous avoir consacré une fois de plus de leur temps. On se retrouve très prochainement. AudioJungle.